Salut à tous et à toutes. Nouvelle vidéo. Comment se faire des PL gratuitement sur Warframe. Alors je vais vous donner toutes mes techniques. Donc c'est personnel, c'est ce que je fais moi. Ce n'est pas les techniques de tout le monde, sûrement que certaines personnes en ont d'autres. Je vais vous donner mes astuces pour vous faire des PL sur Warframe. Alors je vous dis tout de suite, cette vidéo concerne pas les riven. Euh, pour les riven, j'ai déjà fait une autre vidéo. Celle-là c'est sans riven. Donc même les débutants pourront se faire des PL grâce à cette vidéo. Alors, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Euh, qu'est-ce qu'on peut vendre Où est-ce qu'on vend Où est-ce qu'on achète Et comment connaître les prix de tout ça Donc, la première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'on peut vendre sur Warframe Alors, Warframe est un jeu de farm. On peut vendre. Euh, je ne vais pas vous expliquer non plus ce qu'est Warframe, mais voilà. <laughs> je le rappelle au cas où, même si toutes les personnes vont venir ici connaissent Warframe. Donc, sur Warframe, pour se faire des PL, qui est une monnaie en jeu. Qui est achetable, je vous le rappelle. Bon, j'en ai très peu aujourd'hui, malheureusement. Je me, suis, je, je me suis acheté quelques trucs. J'ai fait des caprices, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut vendre Tout simplement, sur Warframe, vous pouvez vendre des Warframe Prime. Donc, regardez, Prime. N'importe quoi. Tout ce qui est Prime, attention. Tout ce qui est Prime, je vais plutôt aller là-dedans. On ne peut pas vendre des Warframe Prime ou des armes Prime. Tout ce qui est Prime, on peut le vendre. Sauf si c'est crafté. Attention. Donc, par exemple, imaginez, je vends H-frame châssis. Je ne pourrais pas le vendre si je le craft. Une fois craft, il est invendable. Vous êtes obligé de l'utiliser pour vous. Euh, les armes, c'est différent. Le BP, donc, faut le vendre comme ça. Mais les parties, vous les dropez déjà craftées. Il n'y a pas besoin de crafter les parties. Euh, donc, vous pouvez vendre les parties déjà craft, forcément, mais pas l'arme. Il faut d'abord, euh, il faut vendre le BP comme ça plus les armes. Plus les, les composants séparément vous les vendre tous dans le même échange on peut vendre tout ce qui est arme vandale arm race alors pas n'importe quel arme vandale et quel arm race parce que par exemple imaginez l'opticor vandale j'aurais voulu le vendre première chose pour vendre les, les, les armes vandales race etc elles sont déjà craftées il faut les vendre faut ne jamais les avoir touchées donc faut les avoir level 0 et ne jamais les avoir utilisées même un point d'XP sur une arme ça va faire que vous ne pourriez plus la vendre. Donc, forcément, euh, la vendre level 0. Je, je crois pas en avoir des. Non, j'en ai aucune. Et l'Opticor Vandal était une arme obtenable en event. Donc, les armes obtenables en event qui sont faisables une seule fois ne sont pas vendables. Donc, comme l'Opticor vandale par exemple. Après les armes Race et, ou, ou autres armes Vandal, genre par exemple, regardez le Strain Race, lui, je pourrais le vendre s'il était level 0 car il a été obtenable lors d'un event plusieurs fois. Vous pouvez refaire l'event pour l'avoir plusieurs fois. Après, il y a d'autres armes comme euh, en Arkwing. Hop, Imperator Vandale. Lui, cette arme-là, vous pouvez la vendre, mais celle-là, il ne faut pas la vendre construite. C'est pareil, c'est comme une arme prime. Vous allez l'avoir en plein de petites parties, et il faut le vendre les parties séparées. Ne surtout pas vendre, donc ne surtout pas construire avant de vendre. De toute façon, peu importe, tout dans le jeu, à ne pas construire avant de vendre. Parce que même les arciennes exodia etc Où il fallait les construire maintenant Elles ne sont plus constructives Vous les obtenez déjà construites Donc ne jamais craft avant de vendre Si vous voulez vendre un truc ne le craftez pas C'est la règle d'or Ensuite qu'est ce qu'on peut vendre Et eh bien justement en parlant des arcanes Et eh ben on peut vendre les arcanes N'importe quel type d'arcanes Arcanes euh, arcane, On peut vendre tout cela Les exodia on peut les vendre Les arcanes on peut vendre aussi les Magus, les Magus. On peut aussi vendre, euh, je sais plus le nom, euh, excusez-moi, les Arcanes pour euh, Catchmoon, enfin pour, euh, ah excusez-moi, les Arcanes pour Zo et les Arcanes pour Kidion. Voilà, on peut aussi vendre celles-là, donc qui sont obtenables dans leurs magasins respectifs. On peut vendre, euh, nous pouvons ensuite vendre les empreintes de cavate et de cubro. Donc euh, les empreintes de cavate, euh, je suppose que vous savez comment faire Oula, m'ont euh, bah, mon à si je continue Les, Pour faire des, des empreintes, voilà, outils génétiques et Il faut avoir des des gènes, en fait, des plaques de gènes vides Pour cela, faut juste les acheter dans le shop, dans le magasin, ça coûte des crédits Donc euh, vous allez dans le magasin Warframe et vous tapez empreinte Et vous achèterez des empreintes vierges Ensuite, ça prend, je crois, 12 heures à se faire Bien sûr, il faut les deux empreintes vous ne, vous ne vendrez jamais une seule. quoi Parce que c'est pour être sûr à 100% d'avoir un, un cavat euh, de cette race-là, il faut les deux. Donc qu'est-ce qui se vend bien C'est les cubro lotus. Alors les cubro lotus, c'est ceux qui ont une marque sur la tête. Euh, donc les empreintes de cubro lotus, de cubro euh, les gigantos, là, les, les, les monstres, c'est des cubro énormes qui font plus gros qu'une Warframe. Donc si vous voyez que votre cubro est plus gros qu'une Warframe, si vous faites ces empreintes, vous pouvez les vendre plutôt cher. Et ensuite les cavat smita. Euh, car on a une chance sur deux de choper le Smita ou la Darza, du coup il y a des gens qui préfèrent directement acheter les empreintes pour être sûr d'avoir un Smita. Euh, le Smita et le Patapouf, le plus utile des deux. Le Patapouf... Oh, excusez-moi, c'est mon chat qui s'appelle Patapouf, donc... Donc euh, le... Le... Le Kabat, le plus rare des deux. Les poissons et les minerais se vendent, mais... Dites-vous une autre chose, même les poissons et les minerais les plus durs à choper et les plus rares ne vendront pas beaucoup plus qu'un PL, unité, un PL, deux PL max si le mec en a vraiment besoin. Mais ça vaut jamais rien les, 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 les poissons et les minerais, parce qu'ils sont facilement obtenables. Il faut juste farm un peu sur euh, sur Cetus, euh, Fortuna, etc. Ensuite, la dernière chose qu'on peut vendre, c'est les, les, les reliques. Les reliques, toutes les reliques, toutes les reliques du jeu sont vendables. Tout, 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 Donc, les axis qui sont un peu plus durs à obtenir vont souvent plus cher, coûter plus cher que les euh, l'élite, ou alors encore que euh, les méso ou les néos. Forcément, vu que c'est les plus rares à choper. De plus, vous avez des, des reliques euh, volt qui vont coûter plus cher que les reliques non volt. Donc, les reliques volt sont les reliques euh, où dedans il y a un objet, une arme ou une warframe. Qui n'est plus obtenable dans le jeu euh, Le seul moyen de les obtenir bah, C'est avec les reliques Volt Mais du coup qu'ils ont disparu du jeu Pour ça bah, il faudra Soit acheter euh, les reliques Et du coup forcément si vous en obtenez beaucoup Les gens vont plus vouloir les acheter Franchement si vous avez des reliques Volt Moi je vous dis raffinez les, ouvrez les et vendez le contenant Ça vous rapportera plus de vendre Par exemple imaginez vous avez 10 reliques Pour euh, Nova System Par exemple je dis n'importe quoi euh, c'est le composant rare. Donc sur les 10 vous allez les vendre les 10 par exemple à 100 PL. Que si vous les ouvrez, vous allez avoir deux Nova systèmes et le Nova System Unité vous le vendrez à 100 PL. Je dis vraiment des chiffres au pif, hein. le Nova système se vend pas forcément à 10 bas, 100 PL, etc. Mais c'est juste pour vous dire que de les ouvrir et de les raffiner ça vous rapportera plus que de les vendre comme ça. C'est vraiment si vous avez la flemme et que vous avez besoin de PL dans l'urgence, vous pourrez vendre les... les reliques comme ça. Ensuite, où vendre et acheter Bon surtout vendre vu que c'est comment faire des pl gratuitement. Pour vendre, vous avez soit un chat, un chat de vente qui est juste là, un chat échange. Donc bah comment faire bah, Tout simplement vous, vous mettez ce que vous voulez vendre. Euh, je ne sais pas. Vend, euh, pour link, vous faites le crochet, par exemple. Donc Nova Prime, on va continuer. Voilà. Et à la limite, vous mettez soit faire offre, soit... Euh, tout simplement, je vous apprends à la vente hein, mais bon écoutez, tant qu'on y est, autant tout dire de A à Z, faire offre donc les gens vont venir vous voir et vous donner une offre, comme ça au moins vous avez le choix de dire oui ou non et des fois genre les mecs vont, être, vont même donner plus qu'ils ne devraient donner, même si c'est très rare mais vous avez une certaine chance que ça, soit vous dites un prix et là, les gens viendront pour vous l'acheter à ce prix-là. Ou alors, il y en a certains qui viendront de négocier, bien sûr. Ne soyez pas fermés à la négociation. Hein, parce que des fois, des gens, ils veulent acheter un truc qui coûte 150 PL, 145 PL. Donc, soyez toujours ouvert à la négociation. Ça vaut le coup. C'est toujours bénéfique. Donc, euh, bien sûr, vous l'envoyez. Moi, je ne vais pas l'envoyer parce, bah, parce que je ne vends pas de Nova Prime. Et que si des mecs me paient pour la vente, je vais leur foutre des gros vents, les pauvres. Donc, vous me direz, mais ça, tout le monde connaît ce chat. Et c'est bidon. Bien sûr. Mais pour ça... Qu'est-ce que j'ai J'ai Warframe Market. Warframe Market, je vous mettrai le lien dans la description. Sûrement énormément d'entre vous le connaissent. Pour ça, il faut vous connecter. Parce que si vous n'êtes pas connecté, pas vérifié, vous ne pourrez pas utiliser euh, Warframe Market en son plein. Même si vous pouvez déjà le faire. Mais à moitié, on va dire. Donc sur Warframe Market, pour déjà pour vous faire un compte et tout, il faut vous login. J'ai fait une vidéo euh, déjà où j'explique comment se créer le compte, donc euh, je vous mettrai le lien dans la description aussi, hein, Comme ça, ça, fait toujours des plus de vidéos dans la description. Euh, donc tout simplement, imaginons que je veux vendre toujours. Bon, on va continuer sur, euh, sur la merde. Je sais même plus qui c'était. Bon, on va prendre une Mesa Prime. Imaginez, je veux vendre une Mesa Prime. Donc tout un set, pas juste une partie. Mesa Prime 7. Donc là je vais regarder, je vais voir les gens ils le vendent ouais 50, 51 à peu près. Bon bah je me dis 51 le premier prix. Bon bah Visa Prime. Donc je clique sur le petit plus, place order. Là vous allez avoir want to sell ou one to buy. Donc one to buy si vous voulez acheter quelque chose, one to sell si vous voulez le vendre. Tout simplement prix per unity. Donc euh, si vous en avez, si vous voulez qu'ils coûte, bah je sais pas, par exemple là vous voyez, ils sont tous à peu près dans les 50. Bon bah, alors euh, je vais mettre 50, comme ça je suis sûr d'être le premier prix, vu que le deuxième c'est 51. Donc 50, et j'en ai. Imaginons, j'ai 2 sets à vendre. Bah, je vais mettre 2 postes. Voilà. Et là, normalement, si j'actualise, hop, je suis juste là. Je vends une Mesa Prime à 50 PL. Bon, pour voir toutes ces ventes et ces achats, vous allez dans My Profile. Et là, vous avez accès à tout. Donc là, je vais le supprimer parce que j'en vends pas. Donc, pour supprimer, juste à mettre ça. Là, vous voyez qu'ils sont invisibles. Par exemple. Je vendais ça, ça, j'achetais ça, 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 et je les passe en invisible, tout simplement, bah, parce que je n'ai pas envie que les gens le voient. Tout simplement, bah oui c'est con, hein, mais je préfère le dire. Invisible, et euh, donc visible, tout le monde a accès, tout le monde genre en tapant euh, bah, la shotgun driven mode Veiled, ils vont voir mon annonce. En invisible, ils ne vont pas le voir, et du coup je ne serai pas dérangé, et il y aura pas des gens qui me diront, ouais tu achètes ça, 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 non et du coup je le garde pour après parce que des fois je vais me refaire des vagues où je vais en racheter du coup je remets en visible comme ça j'ai pas besoin de remettre une annonce à chaque fois c'est plus rapide donc si vous savez que vous vendez par exemple souvent les Magus Vigor parce que tous les jours vous allez en acheter hop vous mettez Magus Vigor et dès que vous en avez plus vous mettez en invisible et dès que vous en avez et que vous voulez en revendre bah, hop vous remettez en visible alors pour les Magus Vigor les mods etc c'est plus spécial pour vendre parce qu'ils ont il y a un... un truc en plus qui est rajouté euh, par exemple, si je mets Primed Animal Instinct, on s'en fout, n'importe quel mode. Regardez, je veux le vendre. Donc, il y a le prix par Unity. Unité, 1. Hein, la quantité, donc un mode. Et il y a le mode rank. Donc, vous voyez ce mode-là, normalement, les, les, si je dis pas de conneries, voilà, ils ont 10. Donc, vous mettez le rank. Donc, le rank, c'est en bas, là. Le nombre de points que vous avez fait. Combien vous l'avez amélioré. Bien sûr, plus il sera au rank, plus il vaudra cher. Si, par exemple, un mode, vous le voyez, un Primed Instinct, regardez. Un Primed Instinct Level 1, il coûte. Regarde, 0. 0, il coûte 60 PL. Que si vous le vendiez 10 sur 10, il coûte environ 200-230 PL. Donc, tout simplement, checkez énormément. Tout, de toute façon, toutes les ventes de Warframe sont faites par le Warframe Market. Dans le sens, les prix sur Warframe, euh, tout, toute la monnaie en fait. Genre, Warframe Market, c'est vraiment le centre. Si vous ne savez pas le prix de quelque chose, allez sur Warframe Market. Vous voulez acheter un truc, vendre un truc, allez checker sur Warframe Market. Même si vous ne voulez pas passer directement par Warframe Market, genre mettre un ordre ou quoi. Par exemple, alors ensuite, vous avez l'onglet acheteur. Tout simplement, buyer. Donc vous voyez, imaginez j'ai un problème d'instinct. Je veux le vendre. Je me dis ouais bon. Ok, j'ai la flemme de le mettre en vente et d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui me MP. Du coup, j'en ai un 10 sur 10 et je me dis, bon, je vais le vendre à... Allez, je vais le vendre à 140. Du coup, vous avez juste à faire ça et vous copiez comme ça quand vous, vous collez en jeu ça va tout simplement envoyer bon je vais le faire sur un offline regardez contrôle C hop contrôle V ctrl C ctrl V pour envoyer bon là ça me le met en hors Lily. mais normalement cette commande slash double plus le pseudo va envoyer directement un message en jeu au mec donc le mec va pouvoir vous répondre directement sinon vous pouvez tout simplement le MP avec ça et ça va vous ouvrir un onglet de chat dans le dans le dans le bah sur Warframe Market directement. Donc vous pouvez parler sur Warframe Market pour les gens qui ne sont pas online in game mais juste online. Bon là il y en a pas. Peut-être que là il y en a. Ah bah regardez là online. Donc vous voyez lui il est pas en jeu mais il est sur Warframe Market directement. Pour choisir si on est en ligne ou en ligne sur Warframe Market. Tout simplement ici en ligne. Donc, juste sur Warframe Market online game. Sur Warframe Market euh, dans le jeu invisible est si vous voulez pas te choper, vous voulez pas que les gens voient que vous êtes connecté ou tout simplement avant de vous déconnecter vous mettez invisible, vous fermez la page. Et c'est parti. Bon, là, moi je suis en jeu, donc je mets un line game. Ensuite, les autres euh, possibilités de Warframe Market. Comme vous voyez, vous avez plein de choses. Donc, vous avez acheteur, vendeur, enfin, comme je vous ai mis. Là, vous avez tout. Donc, vous pouvez mettre que ceux qui sont connectés sur le site. Et super, ça marche. Ouais. Ça met tous ceux qui sont connectés sur le site, plus ceux qui sont connectés en jeu. Et là, que ceux en jeu. Donc, là, vous voyez, il n'y a que ceux qui sont en jeu. Ensuite, vous avez le, la, la range de prix. Donc, par exemple, imaginez vous voulez acheter un, un Magus Vicker. Enfin, pas un Magus Vicker, un prime d'Animal Instinct. Entre. Vous dites, ouais, bon, 40 PL, c'est mon minimum. Parce que forcément, vous n'êtes même pas obligé de mettre un minimum. Mais vous dites, bah, le maximum, je veux pas en l'acheter plus cher que 150. Donc, vous mettez 150, cherchez. Et là, vous allez voir les prix en dessous de 150. À base. Après, mode rank, là, il y a pour les ranks. Ça, c'est pour que les modes. C'est que pour les modes. Si c'est All ou Maxed, donc All c'est entre 0 et 10, peu importe, sauf euh, donc peu importe le level, donc ça peut être des 0, des 2, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 7 ça va être que des 10 sur 10, donc le mode ou 8 sur 8 selon le mode quoi, le mode est amélioré. Ensuite là vous avez la région. Bon mettez-vous en international de façon Warframe, vous pouvez même parler avec des gens et inviter en votre dojo des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Il y a pas de euh, à ah, peut-être la chine je suis pas sûr je sais pas euh, mais il me semble que non tout le, monde, tout le monde joue ensemble on est tous sur les mêmes serveurs euh, on n'est pas tous sur les mêmes serveurs c'est différent mais on peut tous parler avec tout le monde etc on a accès à tout ensuite là vous avez les statistiques de vente donc voir comment ça se vend euh, si ça se vend bien actuellement ou si ça se vend mal euh, S'il y a beaucoup de mecs qui mettent en vente actuellement, euh, combien de temps il y en a pas qui ont été vendus, quel prix ça vaut Bon, c'est plus compliqué, vous êtes même pas obligé. à vrai dire, moi je l'utilise strictement jamais. C'est un peu comme la bourse, hein, on va dire. Il euh, y en a, à mon avis, qui doivent regarder ça et se dire c'est intéressant de le poser là parce que là ça va monter ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas très obligé. Donc en plus, vous avez regardé des infos supplémentaires, un peu comme un wiki. Il y a une description de qu'est-ce que c'est le mode ou comment on les a. Euh. Combien ça coûte à échanger Donc ça en fait dans les bandes d'échange on, on sait combien ça coûte euh, C'est très utile Parce que savez-le Sachez-le J'ai mal à ma langue française <laughs> Sachez-le les, les platines à échanger coûtent cher Un, euh, 1000 platines c'est 500 PL, euh, C'est 500 000 500 000 or c'est ça ouais 500 000 crédits Donc tous les toutes les tranches de 1000 PL, ce sera 500 000 crédits. Donc par exemple. Euh, donc si je dis pas de bêtises, c'est. C'est. Bah c'est 5000 Si je sais compter. Euh, si je sais compter, c'est même 50 000 Bah non, 5000. Oh, bah 500, bah non, c'est juste 500 Je ne sais pas compter. Bon, excusez-moi, mais c'est. Ça coûte beaucoup plus cher. Euh, c'est 500 un truc comme ça. Moi, pour calculer tout simplement, je me dis, ça coûte, euh, il va me donner 1000 PL. Bon, bah, ça va me coûter 500 000 crédits. Donc, euh, soyez toujours au top pour les crédits. Les crédits, hein, arbitrage, tout le monde connaît. Après avoir vu la vente sur Warframe Market, directement en jeu ou sur le site, vous avez aussi tout simplement, euh, vous pouvez vendre directement en jeu. Alors, pour ça, je vous conseille de prendre, d'ouvrir un petit bloc-notes. Bon, regardez, ventre, Even <laughs> un petit bloc-notes et vous dites. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre Vous regardez dans votre équipement, inventaire. Vous regardez un peu tout ce que vous avez à vendre. Donc la valeur de vente, c'est en crédit. Hein. Ça, ça ne compte pas pour les PL, hein. on n'en sait rien. Donc euh, vous tapez Prime, on va dire. Hop Prime. Normalement il y a même un truc partie prime. Euh, partie Prime, regardez-moi ça. Vous dites, bah volto, j'en ai deux, je peux en vendre un. Hacklex Prime, j'en ai un. Donc vous faites comme ça. Vous préparez votre message en fait. Vend... X prime, Ac prime, BP, hop, Akbolto prime, BP. Alors précisez bien quelle partie c'est, parce que si vous vous précisez pas et vous mettez vendre Bocto prime, les gens vont dire ouais, ils vont un set, ils vont venir vous voir directement pour acheter un set entier. Donc obligatoirement mettez set, euh, bah, le BP c'est le BP, etc. Après chaque partie selon la partie que vous vendez. Comme ça vous faites votre message de vente. Et après vous aurez juste à copier, oula, copier et à coller en jeu. Comme ça vous avez juste à l'envoyer. Et toutes les. Euh, attendez. Toutes les voilà deux minutes. C'est toutes les minutes, vous pouvez envoyer un message. Donc genre vous faites une mission, quand vous revenez, hop, vous recopiez un peu votre message, vous l'envoyez, vous repartez, etc. Plus vous faites ça, ça vous prend deux secondes, entre deux missions, vous envoyez un petit message, et il y aura toujours des gens pour MP pour vous acheter des trucs. Donc ça vous prend pas de temps et vous faites des pl tout en jouant. C'est comme ça que moi j'arrive à obtenir des jeu. Et que je suis aussi avancé dans le jeu, et pourtant je suis toujours blindé en PL. C'est parce que je vends en jouant. Je fais les deux en même temps. Euh, ça demande pas euh, plus. Ça, ça demande pas d'être un, un monstre sur le jeu ou quoi. N'importe qui peut le faire, même un débutant. C'est tout con. Vraiment, n'importe qui peut y arriver. Alors petite interview dans la vidéo pour vous expliquer comment marchent les échanges. Alors pour les échanges, il faut aller dans votre dojo ou tout simplement dans le dojo de la personne avec qui vous êtes, qui vous êtes. Ou tout simplement au bazar de Marou. Le bazar de Marou, je vous explique juste après. Donc pour les échanges, c'est partout pareil. Une fois en votre dojo, il faut avoir installé une borne comme ça, cette borne-là. Attention, il y en a plusieurs. Il y a aussi les bornes, euh, les bornes de, de don. Bon, elle n'est pas ici, hein, dans une autre pièce, là, autre, mais qui est plus ou moins identique. Donc à cette borne-là, il faut aller dedans. Et là, vous allez voir les pseudos de tous les gens qui sont dans le dojo avec vous. Pour les échanges, il faut avoir activé l'authentification à double facteur. Normalement quand vous lancez la borne, ça va vous le dire et vous aurez juste à cliquer sur un lien, ça va vous lancer dessus et vous aurez juste à l'activer. Ensuite vous choisissez la personne, vous double-cliquez ou alors vous appuyez cliquez dessus et échange. La personne va avoir un message accepter ou refuser. Donc il accepte ou il refuse. Alors, tous les jours vous avez un limitage, vous êtes limité en nombre d'échanges. Vous voyez, je suis palier 26, donc j'ai 26 échanges par jour. Tout simplement, je ne pourrais pas en faire plus. Une fois que j'ai fait 26 échanges, je serai limité, je devrais attendre, c'est 1h du matin. À 1h du matin, euh, euh, les, tous les échanges réinitialisent, sont réinitialisés. Donc pour les échanges, vous avez, vous avez juste à cliquer, vous avez mode par exemple, donc vous pouvez mettre tous les modes que vous voulez, tous vos affichages, vous pouvez les chercher, c'est exactement comme l'affichage de mode. Vous avez les objets, donc absolument tout ce qui est échangeable, tous les objets qui sont échangeables que je vous expliquais au début sont là. Euh, voilà. Et enfin, les platines. Alors attention, les platines. Regardez, si j'en mets lui ne pourra pas mettre de platine, c'est un seul joueur qui peut mettre des platines. Les deux joueurs ne peuvent pas en mettre. Gardez prêt à échanger, j'accepte l'échanger. Hop, après accepter l'échange, ça nous fait penser 3 secondes pour bon, on vérifie bien pour être sûr que le mec nous a pas donné de la merde, ne pas se faire arnaquer ou quoi. OK. Et voilà, l'échange a réussi. Comme ça, c'est parfait. Tous les échanges sont faits et tous les échanges du jeu se feront comme ça. L'autre endroit, c'est bazar de marou et pour vendre des objets, c'est un peu différent. Euh, je vais vous l'expliquer tout de suite et même je vous l'explique dans le dojo parce qu'on peut le faire depuis le dojo. Pour le dojo, qui <laughs> troll, merci, bon jeu, qui est con. Euh, pour les... Dans le dojo, vous pouvez aussi appuyer sur votre touche d'emote ou d'accès de... rapide. Euh, alors, dans les réglages, je ne saurais pas vous dire où elle est, mais normalement, vous avez une barre avec plein d'items. Euh, là où on met par exemple les, les spectres de Warframe, etc., etc. Dedans, vous cliquez dessus longtemps et vous allez avoir ouvrir boutique. Et là vous regardez, vous mettez soit votre les modes que vous voulez vendre etc mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste accept, appuyer sur accepter. Depuis accepter, là il n'y aura rien au-dessus de votre tête, mais du coup la personne va pouvoir venir échanger avec vous. Et ça marchera comme sur une borne, tout simplement. Ensuite je vais vous montrer dans le bazar de Marou, comment faire les échanges. Alors le bazar de Marou, il est sur Mars, donc accessible à partir du moment où vous débloquez Mars, n'importe hein. qui peut y aller, il n'y a pas de palais de maîtrise, de requis ou quoi que ce soit. C'est vraiment accessible. Hop, attention. Mars. Regardez, il est juste là. Bazar de Marou. C'est là où vous allez pour les sculptures Ayatan normalement. Alors c'est pas n'importe quel... Il y a vraiment que au bazar de Marou pour faire les échanges. C'est pas du tout tous les relais, hein. C'est le relais spécial. Hop. Donc, on peut pas faire ici. Il faut forcément aller normalement... Ah si on peut même le faire depuis ici. Mais bon, le mieux c'est quand même d'aller dans la... Dans la pièce ici, là où tout le monde vient. Bon, c'est vide hein, actuellement, mais c'est souvent vide. Le, là où c'est le plus rempli, c'est les vendredis après-midi, quand il y a Barrow qui tire. Euh, sauf que je dis de la merde parce que barreau qui tire, il vient jamais dans le bazar de Marou. Donc, m'écoutez pas. Et <laughs> c'est pas vrai. Mais bon, des fois, il y a du monde. Je ne saurais pas vous dire les heures de pointe, etc. Et là, vous mettez ouvrir boutique et vous faites pareil. Ou alors même, vous pouvez venir vendre directement ici, sans faire d'annonce. Vous venez ici. Si vous voulez vraiment absolument, vous avez absolument besoin de, de PL. Vous dites, allez, il faut que je vende, euh, je sais pas moi. Euh... Par contre, vous pouvez mettre des PL, bien sûr, ouais. Il faut que je vende, euh, j'ai quoi J'ai les Agbolto Prime à vendre, j'ai l'Axex Prime, euh, j'ai plein d'Arcanes. Vous mettez ça, offrir objet, vous voyez, il y a ça. Et donc là, si vous mettez accepter, juste au-dessus de votre tête, bon là, on le voit pas parce que c'est moi, mais juste au-dessus au de votre tête, il euh, y a affiché tout ce que vous avez mis dans votre barre de vente. Du coup, les gens qui passent. Il y en a certains qui regardent et qui vont se dire c'est cool ce qu'ils vend, ça m'intéresse, et du coup ils vont venir regarder, ah bah non j'ai cru qu'ils mettaient en échange et hop vous avez juste à lui parler et ça va vous ouvrir la fenêtre d'échange. Donc si vous voulez vous pouvez vendre directement des choses comme ça dans le bazar de Maru ou dans un dojo, mais bon souvent dans votre clan vous avez un chat de clan et vous parlez avec eux plutôt que juste aller dans le clan et dire que vous voulez que vous voulez vendre ça, ça et ça. Normalement vous êtes censé pouvoir parler. Pour aller dans le dojo, juste je vous dis, si jamais vous avez un dojo et vous ne savez pas comment aller dans votre dojo, dans votre fonderie, vous tapez clé de clan. Voilà, bon là il n'y a pas de clé de, de clan, mais normalement, vous avez obligatoirement, dès que vous rejoignez un clan, une clé de clan qui se craft, elle ne coûte pas grand-chose à crafter, elle est facile à craft, mais elle prend 12 heures à crafter. Pour éviter que les gens, ils rejoignent un clan, ils vont dans le dojo, en prendre les armes qui les intéressent, quitter le clan, aller dans un autre clan, etc. En plus en fin de vidéo, là maintenant, je vais vous faire un peu, je vais vous expliquer comment acheter, même si ça revient au même, ça va être très bref. Donc tous ceux qui voulaient juste apprendre comment faire des PL en vendant, et eh ben vous pouvez y aller, hein, écoutez. Attention, tu lâches un like en partant, s'il te plaît, quand même. Merci, tu t'abonnes à ma chaîne. Allez, <laughs> je te laisse partir. Pour ceux qui veulent acheter tout simplement sur, bah, sur Warframe Market ou sur Warframe, vous avez exactement les mêmes méthodes. Vous copiez ce que vous voulez acheter. Donc là par exemple si vous imaginez je voulais acheter ça et eh ben tout simplement je vais mettre achète à la base. Mettre à la limite, même mettre ou je ne sais plus parler, même à la limite mettez en majuscule achète ou vend. Comme ça, c'est bénéfique et les gens directement ils vont vous capter avec leurs yeux le premier mot en majuscule ok lui il vend, ok lui il achète. Si les mecs veulent vendre ou les mecs veulent acheter, et eh bien ils vont directement lire plus votre annonce, s'ils voient ça avant. Euh, ensuite sur le Warframe Market pour acheter bah, vous allez juste aller dans Buyer et vous pouvez aussi mettre un order comme ça Want to Buy avec bah ça revient exactement au même que pour vendre sauf que bah c'est dans le Want to Buy de plus je vais le dire alors j'aurais pu le dire avant vous pouvez directement sur le profil faire ça directement et mettre n'importe quoi vous n'êtes pas obligé de taper avant et de rechercher regardez Mesa Prime il va me trouver directement tous les trucs en relation avec mes a prime. De plus, je ne l'ai pas dit, il y a de la réputation sur Warframe Market. Donc, positive review et négative review. Les positives reviews euh, vont vous mettre votre compte en avant. Et plus vous avez de réputation, plus vous êtes en avant. Moi, je n'existe parce que je ne demande jamais personne, à personne de mettre de la réputation. Si jamais vous faites des ventes sur Warframe Market et que vous avez été cool et tout avec le mec, dites-lui please leave me a good recommendation on Warframe Market. Ça vous mettra toujours des reviews en plus. Si le mec a le temps, bien sûr. Vous n'avez pas le forcer non plus, <laughs> dit review. Mais que si vous mettez des bas de recommandations, vous allez baisser de plus en plus. Genre, je suis déjà tombé sur un mec, il avait moins 5, un truc comme ça en recommandation, ça m'a fait très rire. Et genre, j'ai voulu lui acheter un truc, il me semblait, et j'ai très compris pourquoi. Genre, il était agressif, euh, impatient, tout ce qu'il fallait pas. Du coup, je ne l'ai pas acheté et je lui ai dit au revoir. Bien sûr, je ne lui ai pas dit d'aller niquer sa mère parce que c'est très impoli. <rire> <rire> Bon je pense que c'est tout, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je vous dis merci pour cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, plutôt parce que c'est à moi qu'il faut dire merci pour cette vidéo, c'est moi qui l'ai faite quand même. Attends, je me remercie moi-même parce que je suis pas sûr d'avoir des remerciements. Je préfère le faire moi-même comme ça au moins je suis sûr. J'ai ma part de... J'ai ma part de... <laughs> ma part de remerciement. Bonne vidéo, lâchez un like. Bonne vidéo. Excusez-moi, hein, c'est la fin de vidéo. Très peu de personnes resteront jusque-là, donc je, je commence à faire n'importe quoi. <laughs> Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye tout le monde, abonnez-vous, lâchez un like, laissez un commentaire si vous, si vous voyez qu'il manque un truc que j'ai oublié, c'est fort probable. Lâchez un com. Ou alors si jamais vous ne comprenez pas un truc, lâchez un com, je vous répondrai avec plaisir. Bye tout le monde. <laughs>